Bonsoir, bonsoir ou bonjour, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous entendez. Mesdames et messieurs, nous voilà une fois de plus dans le studio de Via Media ici. Et c'est toujours moi, MC Ouagara, et à la technique, nous avons toujours Alain, avec ses petits doigtés magiques. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, Monsieur Soumaïl Koulibaly, que vous connaissez très bien, un ancien collègue de l'Université d'Ottawa, un frère à moi aussi, mais c'est quand même quelqu'un qui est actif, mais absolument actif, et un membre qui veut quand même participer à tout ce qui contribue au changement, non seulement pour la communauté noire dans la région de la capitale nationale, mais aussi dans la province et dans le Canada en général, et à travers le continent mère qui est Kama. Donc c'est aussi un enfant kamite, comme vous pouvez le savoir, à 100%. C'est un panafricain. Et donc c'est pour moi un réel plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Et nous allons sans tarder entrer dans le vif de notre sujet. Vous savez, on a traversé la pandémie de COVID-19 et il y a eu beaucoup de moments difficiles. Et il y a eu aussi beaucoup de moments de travailler sur soi, de travailler sur des procédures, de comment travailler, comment livrer ses produits, ses services à la communauté ou au public en général. Et beaucoup ont eu aussi des obstacles, mais par contre, il y en a aussi qui ont eu des capacités d'adaptation, un degré de résilience assez particulier. Et c'est certainement ce que nous allons explorer dans cette conversation avec M. Koulibaly aujourd'hui. Bonjour M. Koulibaly. Bonjour Eric. Et à vos téléspectateurs, c'est un plaisir de me retrouver avec vous. Enchanté. Nous avons aujourd'hui un petit défi, c'est que on veut comprendre comment vous avez passé à travers la période de la pandémie. Et puis, mais avant d'entrer dans ces sujets-là, on aimerait savoir d'abord présenter vous à la communauté et au grand public, et ensuite dites-nous exactement quelles sont les organisations dont vous êtes responsable ou bien les associations ou comités dans lesquels vous travaillez pour contribuer au progrès de la communauté. Ben, en tout cas, c'est tout un honneur et un privilège pour moi de me retrouver ici. Donc, mon nom, c'est Soumaïl Abbé Koulibaly et la plus grande association que je préside est l'Association de la diaspora africaine du Canada, l'ADAC. Une organisation qui avait vraiment un but très, très économique puisqu'il avait été impulsé par le président Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud et le président Wade du Sénégal, donc en son temps, pendant leur mandat. Et c'est le lieu vraiment pour moi ici de remercier tous mes prédécesseurs qui ont abattu un beau travail. Mais une deuxième organisation aussi que je préside, c'est le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Et je suis aussi actuellement le directeur des programmes et des projets du regroupement des Maliens dans la capitale ici. Donc, ce qui fait beaucoup d'implications pour moi. De profession, je travaille dans le domaine des finances, donc je suis membre de la sécurité financière. Enchanté. Donc, ça nous fait quand même beaucoup de perspectives pour pouvoir envisager des angles de contribution au progrès de la société. Alors, donc, nous avons parcouru un moment difficile, parfois, avec les confinements, les restrictions, le port de masques et des impossibilités de déplacement d'une région à l'autre, impossibilité de voyager d'un pays à l'autre pendant un moment donné. Comment avez-vous, en tant que professionnel, traversé cette période de la pandémie? Mais en tout cas, ça, c'est une excellente question. Et puis vraiment, on peut faire ce qu'on appelle aujourd'hui, on l'espère bien, l'autopsie de la pandémie. Ben, bien vrai quand même qu'actuellement, on a quelques frayeurs avec des cas qui reviennent et même certaines provinces qui commencent encore à encourager au port du masque. Cependant, comme vous connaissiez, nous sommes quand même une communauté très, très chaleureuse. Donc, nous aimions le contact et puis nous aimions sortir. Et la pandémie nous a quand même amené un gros défi. Et personnellement,
Je préfère vraiment saluer ou quand même reconnaître le côté positif de la communauté. Et quant à vous, quant à moi, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on était ici et la mobilisation était très, très difficile. Et la pandémie, quand même, a fait un éveil de conscience chez les gens. Par exemple, les gens ne savaient même pas que, ben, écoutez, c'est le gouvernement ou c'est une ville qui pouvait décider de vous demander de vous rester chez vous. Donc, il y a eu un engouement pour la chose publique, ce qui a fait aussi un engouement pour nos affaires communautaires et surtout, ça nous a amené aussi à nous apprécier. Même l'autre jour, je le disais dans un rassemblement, ben, il faut qu'on continue à en profiter. On ne le sait pas, ben, il se pourrait que on peut pas l'avoir. Ça, c'est un club ici qu'on a ici dans la communauté Manuel qui s'appelle le club du bien-être. Ils font des randonnées. J'ai été faire 10 kilomètres avec eux l'autre jour avec eux dans le parc de la Gatineau. Bravo, Et bravo. quand on y était, c'est ça C'est que bon, le j'explique. lieu est bien choisi aussi. Ah, exact. Donc vraiment, c'était tout un défi, la pandémie, mais vraiment, moi je dirais quand même, ça nous a donné de nouveaux outils pour rebondir et vraiment, ça s'est très bien passé et vraiment, la communauté en est sortie, vraiment, de mon observation, très grandie, très éveillée et surtout qui a su reconnaître vraiment certains privilèges et qui sont devenus vraiment des acquis pour nous aujourd'hui. Quand vous dites que la situation a donné des outils pour grandir, pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces outils-là? Ben, par exemple, écoutez, ça nous a permis de faire des écosystèmes. Imaginez, grâce, par exemple, nous, tout de suite, on a adopté quand même le numérique, à savoir les Zooms, les Teams. Et tout autre, et puis même on a créé pas mal de groupes. Par exemple, on a même créé des groupes pour les aînés en forme qu'on appelle. Et maintenant, tous les jours, on laissait des numéros et puis on s'est même organisé à ce que vraiment les gens qui sont le plus isolés, que ce soit les aînés ou des familles seules, pour qu'on puisse vraiment avoir un œil. Ou bien il y avait des gens qu'on avait délégués, ben eux autres, ils avaient un groupe de personnes que moi-même je supervisais. J'avais assigné 5 personnes à une personne. Chaque jour, la seule tâche que la personne devait faire, c'est d'appeler ces 5 personnes-là, de s'assurer. Il a 24 pour le faire, c'était pas lourd. J'ai appelé ça un leader par groupe et chaque leader avait 5 personnes et ça s'était vraiment bien passé. Donc, on a utilisé le téléphone, les groupes WhatsApp et puis aussi vraiment ces Zoom. Et mieux que ça nous a permis d'aller nous connecter jusqu'au plus loin. On est sorti de nos provinces. On a eu beaucoup de contacts jusque dans les autres provinces, en Manitoba, en Alberta, et même à l'extérieur du Canada, en Afrique, au Sénégal, au Mali. Donc, c'est devenu vraiment numérisé. Alors, moi, je trouvais que vraiment, c'était formidable. Est-ce qu'allions-nous y penser s'il n'y avait pas la pandémie? Allons-nous vraiment aller utiliser ce potentiel-là? Non, mais ça, c'est quand même une vérité parce que moi-même, j'ai réussi pendant la période de la pandémie à avoir certains zooms dans lesquels, surtout dans la période qui suivait le décès tragique de George Floyd, il y avait des événements qui avaient lieu sur Zoom. Et puis moi, je devais ouvrir l'événement avec mon son de tambour. Donc moi aussi, de mon côté, j'ai pu m'adapter un peu avec le son, comment jouer devant mon ordinateur dans mon sous-sol et les gens à l'international pouvaient entendre ça. C'était comme ça, c'est jamais pensé ça. Mais ça a eu lieu. Donc c'était quand même extraordinaire parce que dans cet événement, il y avait des gens en Afrique, il y avait des gens en Moyen-Orient, il y avait des gens en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis et au Canada. Donc ça faisait vraiment l'international à proprement parler. Maintenant, si on vous demandait, par exemple, personnellement, en tant qu'individu, quelles sont les capacités que vous avez pu acquérir ou développer à travers ce moment-là? Ben, quand même, je reconnais que personnellement, j'avais déjà de très bonnes habitudes. J'étais déjà une personne de réseau avec tout ce que je faisais. Donc, ce qui fait que, pandémie ou pas pandémie, je suis en contact avec des gens. Et aussi, vraiment, je suis une personne qui avait toujours eu des activités
de divertissement, que ça soit la lecture des livres ou le visionnement des cinémas ou bien même la pratique du sport. Ben tout ce que j'ai eu à faire, c'est peut-être de ramener ça vraiment à un endroit un peu réservé. Et voilà, donc vrai. Et puis comme je le dis, une des choses quand même, ben écoutez, pour quelqu'un comme moi qui était habitué à voir les gens, c'était quand même un peu frustrant. Et c'est pourquoi que ben voilà, quand on ouvrait les magasins, ben écoutez, quand moi je prenais plus de temps, ben avant la pandémie, le maximum que je faisais dans un magasin, c'était 15 minutes. Mais quand on ouvrait, ou bien quand même qu'il y avait eu des ouvertures, que j'avais la chance d'aller dans les magasins, ben j'y restais comme plus de 1 heure, 2 heures. Donc, et puis surtout que j'étais d'avis, ah non, plus j'irai dans le magasin, plus je paye. Mais avec la pandémie, parce que si je rentre chez moi, c'est juste, ben comme je le dis, c'est tout est virtuel. Mais au moins, même si encore on n'avait pas la chance de se donner la main, mais au moins je pouvais voir les gens, ben les voir et puis les parler. Bon, aussi, bon, quand on est en famille, ben, c'était plus simple avec les enfants, tout. Donc, on s'est bien adapté. Et on a même, j'ai remarqué quand même qu'on a développé aussi beaucoup de jeux de société. Par exemple, j'ai vu que ma fille ou mon garçon avait commencé à bien aimer le jeu de Monopoly. Et d'ailleurs, même, bon, ma fille aussi a beaucoup, a appris aussi les jeux d'échecs. Et jusqu'à ce que je l'avais mis au défi que, ben, écoutez, si vous arrivez à me battre aux échecs, ben ça veut dire que vraiment vous êtes très intelligente. Donc voilà, donc c'était vraiment toute une adaptation. Vraiment. Donc on arrive par exemple maintenant on est post-pandémie. Comment les affaires se déroulent maintenant et où en sommes-nous par exemple avec nous dans la situation où il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de restrictions en tant que telles. Le port de masque, oui, on en parle, mais c'est pas encore là. Où en sommes-nous en ce moment? Ben, comme j'ai à vous le dire quand même, admettons, ben, qu'est-ce qui s'est passé? La pandémie nous avait mis en confinement. Et je dirais plutôt vraiment pour un peu parler un peu kamite entre nous, mais quand même dans nos valeurs ancestrales, moi je dirais que ça a été un moment de recueillement pour nous tous. D'abord pour se demander, ben, ce n'est pas comme les gens, on venait de les perdre. Mais on nous a mis devant le fait, vous n'êtes plus capable de les voir. Moi, je dirais, c'était comme un entraînement à la disparition d'un être cher. Mais c'est vrai que, ben, cet être, par contre, vous êtes capable de l'appeler virtuellement ou de rentrer en contact, mais vous n'êtes plus capable de le voir. Et ça a amené les gens à s'apprécier. Et maintenant, à la sortie maintenant, j'ai vu de l'engouement. Les gens, il y a eu beaucoup d'ouverture. Combien toi et moi, comme je le dis, on se connaît depuis combien d'années, plus de 15 ans maintenant. Imaginez comment on faisait pour mobiliser les gens. Malgré tous les messages, malgré tout ce qu'on faisait, tous les réseaux qu'on utilisait. Si on postait un truc, si on avait un j'aime, c'était vraiment, on en était content. Mais il y avait de l'ignorance totale pour nos messages. Peut-être en son temps, les gens n'avaient pas compris qu'est-ce qu'on voulait faire pour la communauté. Tu as parlé de ton adaptation. D'ailleurs, vraiment, j'ai bien vu ça. Pendant l'histoire du mois des Noirs, ici, l'année passée, on a vu vraiment comment vraiment tu as fait amuser nos enfants parce qu'on n'était pas totalement sortis, vous vous rappelez. Mmh. Encore, donc on a dû le faire virtuellement. Oui, c'était vrai, mais compte tenu de la situation, on a dû le faire. Mais les enfants ont tellement apprécié et ils ont participé. Et la participation a été même plus forte. Et tout ça là, parce que maintenant, on a apprécié, on a vu que c'est un privilège. Les gens sont sortis, la mobilisation est plus facile maintenant et les gens viennent vraiment vers les activités. Et les gens se proposent. Imaginez maintenant, ben, je suis un président comblé. Je ne suis plus ce président qui comme on le disait dans son temps, ben, une organisation, les organisations africaines, c'est le président. Tant que le président ne donne pas le tempo, tant que le président ne... Voilà. Mais actuellement, le post-Covid, moi vraiment, ben, je dirais que je suis devenu un président fainéant maintenant parce que je fais plus rien.
tellement que les gens ont eu de l'engouement. J'ai des comités partout. J'ai un comité racisme depuis le cas de Jorouf. Bien avant, depuis 2017, on avait ce comité-là du racisme systémique qui fonctionne très bien. Mais vu que les finances aussi étaient un défi, surtout demain, j'ai aussi créé un comité finances et création de richesses qui est vraiment présidé par un de mes collègues du Djibouti, M. Warsama Ahmed, vraiment, qui fait de l'excellent travail. Voilà, Warsama qui préside ce comité. Voilà. Et voilà. Et Darlène, et puis Monsieur Alain, il préside le comité racisme systémique. Et on a le groupe des aînés qui sont là. J'ai même un groupe de conseillers avec qui on... Et tout le monde. Et avant, vraiment, on était en petite équipe, mais j'ai vu. Et les gens m'appellent partout. On veut s'impliquer. On veut faire ceci. Et maintenant, quand il y a eu même la situation sociopolitique au Mali, pour créer, et maintenant pour fédérer tout le monde, mais on a créé une plateforme qui s'est appelée Solidarité pour le Mali. Mais regardez comment que nos frères sont sortis. Ben, le seul regret que j'ai, je me disais, ben, si on pouvait faire ça depuis nos années d'université, si les gens avaient eu ce réflexe-là, tant plus, ben, je pense que... On y pensait, mais les outils, les éléments, la situation n'était pas au point, vraiment. Alors, donc, si on devait définir... le mot résilience, selon vous, vous nous direz c'est quoi la résilience? Ben, comme vous l'avez dit quand même, c'était un mot qui a été beaucoup utilisé pendant ce temps-ci. Et nous, je dirais quand même, par notre immigration et à notre adaptation ici, je dirais que nous sommes des naturels résilients. Quelqu'un comme moi, regardez, je viens de la deuxième ville la plus chaude au monde, là où je suis né, à Kay, au Mali, dans le sud du Mali. Ce mot-là existe en Haïti. En Haïti, avec C. Oui. Nous, c'est avec K. C'est le nom d'un arbre. Et cet arbre-là, en réalité, Kay, c'est vraiment un arbre très, très résistant qui germe beaucoup dans la forte chaleur. Et d'ailleurs, qui a une âme, pour traduire le mot, ça veut dire que l'arbre a une âme dure, meurt difficilement, ou vraiment vit dans l'hostilité de température. Oui. Je me dis quand même, ben, comme la majorité d'entre nous, venir déjà ici au Canada, s'intégrer dans ce milieu, que ce soit professionnel, scolaire, social, ou culturel, et même climatique. Imaginez combien d'hiver pour toi et moi aujourd'hui. Nous sommes dans la 16e ou 18e maintenant. Alors, donc, on a passé tous ces hivers, donc nous sommes des résilients. Donc, le mot résilience, pour moi, vraiment va traduire vraiment l'acceptation d'une situation pour en tirer le meilleur. Et je pense que vraiment, on l'a fait. Et j'ai ma propre personne. Je suis sorti vraiment... de la COVID avec plus de patience. Je supporte mieux maintenant parce que je me dis non, ben faites attention à ce frère. Bientôt, si tu le parles ou bien tu le rencontres, ben il se peut qu'il y ait une pandémie encore ou un confinement, tu ne vas plus le voir. Donc, je suis amené et j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup qui sont devenus patients. Et dans les magasins ou dans les trucs, je vois de l'attention. Et surtout, comme je le dis, le fait que les gens viennent personnellement, dans notre communauté, ou vraiment dans mes événements, je fais plus cet effort de mobilisation que je faisais auparavant. Okay. Donc, il y a eu un éveil. Et les gens sont là, les bénévoles sont là, les gens sont disposés. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est ce qu'on cherchait. Donc, il y a eu une vraie résilience. Les gens en ont profité pour en faire quelque chose de bien et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ok. Oui. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on tend maintenant vers la fin de notre conversation. Alors, je vous demanderai, Monsieur Koulibaly, si vous aviez un message à passer à la communauté en général et au grand public, que direz-vous? Alors, ben, comme j'ai eu quand même d'entrée de jeu, et je suis dans une de mes responsabilités, je suis actuellement le directeur de programme et de projet et de la communauté ici. Et on a, comme vous le saviez, depuis quelques années, et ben le gouvernement fédéral quand même a débloqué une enveloppe
envers nos entrepreneurs de descendance africaine, vraiment pour nous aider à aller vers l'entrepreneuriat. On sait que ce programme est en train de se dérouler maintenant. On est dans la deuxième année, il reste deux autres années. Et il est clair, comme on en discutait, si vraiment ce projet, il n'est pas là pour s'arrêter, parce que l'idée quand même, c'est de créer encore un écosystème pour que les gens puissent aller vers l'entrepreneuriat. Donc, si un message quand même que j'ai envers la communauté, c'est vraiment de saisir tous ces différents programmes-là qui sont là. Que ça soit avec ADN et African Development Networking, ou le regroupement des Maliens dans la capitale nationale avec le projet Atlas, ou bien avec le groupe 3737 aussi, avec notre frère Luc Termol. Donc tous ces programmes-là sont là aujourd'hui pour inciter ou bien pour nous accompagner dans l'entrepreneuriat. Donc je veux quand même saisir de ce plateau-là pour lancer cet appel-là. Venez. Mais si vous avez des idées entrepreneuriales, venez qu'on vous l'accompagne dedans. Et maintenant, quant au public en général, et surtout, on est une forte communauté et la population africaine ou le descendant africain est plus que le million maintenant au Canada. Donc, disons-nous qu'on est vraiment d'une très grande sensibilité et maintenant, on est une bonne population. Organisons-nous, ceux qui n'en ont pas l'expérience ou vraiment qui pensent qu'ils sont nombreux, qu'ils contactent déjà ceux qui en ont l'expérience comme nous ou des grandes organisations comme nous, nous sommes là justement pour vous accompagner. Donc l'idée quand même est que nous tous ensemble, que nous grandissions ici avec nos identités, avec nos croyances, avec nos valeurs, comme le Canada vraiment nous a accueillis. Donc c'est le temps maintenant qu'on puisse donner cet environnement à tout le monde et surtout à nos enfants qui commencent à grandir. Ça, c'est vraiment le mot et je vous remercie beaucoup vraiment pour ce privilège de m'avoir accueilli sur votre plateau. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était M. Koulibaly qui était dans nos murs et qui voulait partager son expérience avec nous, aussi pour annoncer les services que lui et les autres organisations et associations offrent à la communauté. Donc, si on devait vous retrouver, comment est-ce qu'on doit vous retrouver? Où est-ce qu'on peut? Est-ce que vous avez un siège quelque part pour l'association des Maliens ou bien l'organisation qui aide les entrepreneurs? Oui, on a un peu. Maintenant, je vais vous donner toutes les informations que vous pourrez vraiment afficher électroniquement et avec cet élément audiovisuel, que ce soit à travers nos sites, que ce soit à travers nos numéros de téléphone. Donc, vous avez tous ces piles. On peut aussi nous rencontrer et au besoin. Donc, vraiment, et on a vraiment mis un système assez en place qui fonctionne bien. Et vraiment, on peut même aussi, comme je vous ai dit, nos outils déjà sont un peu très virtuels et électroniques. Donc, des fois, vous n'avez même pas besoin d'aller nous voir. Mais par des échanges de documents, tout se passe très bien. Parfait. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Wandara encore une fois de plus. Nous nous reverrons très bientôt. Au revoir.